Bonjour à toutes, ben, content de trouver autres dessus Radio Piquant. Et ben, ils ont dit, ben, comme d'habitude, hein, moi, je n'ai pas tout seul. Moi, je n'ai pas tout seul, moi, on a ben, deux personnes en face de moi là. On a Titi Balaka, qui est là, producteur. Et moi, on a aussi ben, un artiste, Gérard Louis. Tout le monde lui pense qu'il connaît. Bonjour à toutes deux. Bonjour Patrick, bonjour Radio Piquant, les auditeurs de Radio Piquant. Bonjour à Alors. Tony aussi. Oui, quand on reçoit Zot, ben Zordi, il peut parler un petit peu de Zot parcours, un et l'autre. Et nous va commencer tout de suite ben, par Gérard Louis. Gérard Louis, tout le monde y connaît. Ben, Gérard Louis nous relie à lui souvent ben, Acacia. Alors, qui ça il est, Gérard Louis, vraiment? Gérard Louis, c'est un humain, première chose. Oui. C'est une créature. Gérard Louis, c'est un artiste qui est devenu un producteur moi, plus de découvertes. Hein. J'ai fait découvrir pas mal d'artistes mauriciens, entre autres Sandra Mayotte, Natty Dia, que vous connaissez, très apprécié. Tonvier, Perros Vert, et il y a aussi Négro pour la vie, System R, Mr. Love, c'est moi qui ai mis en route, Lindsey Bagbot, il y a pas mal, et là je suis venu avec un nouveau projet justement avec vous, Patrick. Oui, on aura l'occasion de toute façon de parler de ce projet-là. Et nous avons, comme l'a dit Monsieur Balaka, producteur, comme Gérard d'ailleurs, ou lui Moi c'est aussi. un petit, hein. Moi c'est un petit producteur, pas un grand comme Gérard, quoi. Ben, pour autant, c'est où la bonne Gérard ici, Ouais, hein? un petit grand. Ouais. Alors, ben, où les côtés dans le sud, hein? Le Ouais, situé dans le Saint-Louis. sud, Saint-Louis, côté Saint-Louis Saint-Louis. là-bas. Nous avons eu l'occasion aussi de recevoir un petit peu ben, des personnes qu'on a produit sur Radio Piquant, hein? Telles que Tifok, entre autres, Fatia. Et donc, vous dites Titi, parce qu'il y avait là où Titi peut-être, mais je pense qu'il ne doit pas appeler à nous Titi, hein? Quand nous, du moment nous fait une affaire. Donc, nous les dans la cour. Des artistes. Bah quoi des artistes avec Gérard lui justement. On parle de Cassia, donc Cassia est finie, hein. Vous. Cassia n'est pas fini. Cassia existe toujours, mais sans moi. Et Alain Ramanissum, et aussi, on a perdu un musicien, Silvio Ravina, l'harmoniciste, qui n'est plus Cassia. Et voilà, je pense qu'ils continuent leur route, Désiré François, etc. Mais moi, toujours, j'ai d'autres aventures avec d'autres artistes. Je continue en mon nom personnel aussi, en tant qu'artiste. J'ai mon projet à moi, tout ça. Alors, nous parle de projet justement, c'est un projet que, comme on l'a dit, il tient à cœur. La relève, donc, ben, on travaille avec les enfants actuellement, l'enfant l'île Maurice. C'est un projet, il appelle Tin et Diez. Alors, explique-nous un coup, Tin et, ben, tout d'un coup, on retrouve Diez. Diez, c'est la musique. Tin et Diez, c'est quoi? Teenagers, c'était en anglais, c'est teenagers. Teenagers, ce sont des adolescents. Alors, je ne mets pas le groupe, j'appelle pas le groupe en anglais teenagers. Alors, je fais un truc avec le nom, je mets teen. Teen, c'est ado. Et puis, je dis et puis, jazz, c'est un symbole musical. Un groupe de 6 jeunes adolescents, de 11 à 17 ans. Alors, comment on a fait ce choix-là de rassembler ces 6 jeunes-là? Est-ce que là il y a un casting? Est-ce que là il y a eu, voilà, comment on l'a fait pour Oui, rassembler? avec une équipe, je travaillais avec une équipe comme professeur de voix. J'ai travaillé aussi avec un qui fait vidéo. Et j'ai travaillé avec un homme de théâtre et un chorégraphe. On a fait un casting avec pas mal de vidéos pour choisir 6 dans, je crois, il y avait 24 ou quelque chose comme ça. On a choisi 6 à 2 pour faire ce projet en 2022. Alors, ce projet, donc, c'est sur la musique, faire Oui. découvrir le bon jeune aussi, les anciens, ben, les anciens de la musique mauricienne, et comme par exemple Natty Dia, Oui. hein? Alors, on a fait là-dedans aussi, on a fait un tri. On a choisi 10 titres qui ont marqué pour ce premier projet, parce qu'il y a 2 projets avec ces enfants. Le premier projet, on a choisi 10 titres qui ont marqué la musique mauricienne, comme vous venez de dire, Natty Dia, Sandra Mayotte. Il y a aussi Denis Azor, son titre à la Lila qu'on a pris et qu'on a repris. Il y a aussi Marcel Poulenc, que vous connaissez pas peut-être.
avant il y avait une chanson qui s'appelle Sorbon. Sorbon madame, Sorbon monsieur, Sorbon. Vous connaissez cette chanson? Sorbon, Sorbon. On a pris ça parce que les enfants connaissent pas Sorbon. Avant on préparait le repas sur Sorbon. On a fait ce titre là. On a fait aussi deux chansons de Cassia, Liberté Oiseau, La Natia. Et on fait aussi une chanson de Rodriguez, de Rodrigue plutôt, d'Edouard de Yal, Crier. Et puis il y a Persévérance de Nico Poulavi. Mm-hmm. Enfin, j'ai pas tous les titres en tête, mais on a repris ces titres qui ont marqué la musique mauricienne. Et là, dans le deuxième projet, on va aussi encore reprendre des titres qui ont marqué là, la musique. En tout cas, nous va écouter justement, on va faire découvrir ça de Tine Diaz. Et donc, nous va écouter un premier extrait. Hein. Oui. On avait parlé de Natija. On va écouter un extrait. Vanité. Vanité. On va aller tout de suite après. Yeah. Original teenagers, Luba. Ça m'a l'air et à vivre vanité. Vanité, à vivre dans vanité. Nous à la terre là. J'suis toujours bien à la foi, tu pour délibérer. Aïe, maman, pour qui faire, nous avons souffert. Nous à la terre là. J'suis toujours bien à la foi, nous tu pour délibérer. Ça m'a l'air la vie, mon vanité. Voilà, Vanité, Natija, interprété par les Tin et Diaz, produit par Gérard Louis. Produit par Gérard Louis. Donc, comment il se passe un petit peu le travail avec ces enfants? Est-ce que c'est assez facile quand même de faire entre les autres, peut-être dans un univers différent que d'autres? C'est difficile. C'est difficile parce qu'ils ne connaissent pas le studio. Maintenant, ils doivent apprendre les chansons. Vous savez, même pour la réunion, je dis ça. Vous savez, nous, on croyait que les jeunes connaissent des chansons dans le temps. Ils connaissent pas, hein? Ils connaissent pas. Maintenant il faut que j'explique l'histoire parce qu'ils connaissent, même ils connaissent peut-être une chanson, mais ils connaissent pas l'histoire derrière cette chanson. Alors ce que je fais, moi et mon équipe, on raconte l'histoire de cette chanson d'abord. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi ça au bon? Pourquoi ça? Pourquoi telle affaire? Dans quelles circonstances on a fait cette chanson? Après il a pris, il a commencé à rentrer dedans. Après bien sûr on a fait des clips, mais là maintenant il commence à assurer. Hein? Vous savez, quand j'ai lancé le projet, le ministère de la Jeunesse et des Sports ont réservé les jeunes pour une année, pour qu'ils bougent dans tous les fonctions, tous les projets du ministère de la Jeunesse. Ils sont toujours là pour interpréter un ou deux titres avec les jeunes. Parce que la jeunesse, c'est ça, la jeunesse, pour mouvoir la jeunesse, ils ont déjà réservé pour une année, jusqu'à décembre, là, dans toutes les fonctions ministérielles. C'est bien aussi pour ces jeunes-là. Et puis, j'ai deux projets. Je travaille sur le deuxième. Et puis, après le deuxième projet, je laisse les enfants prendre leur envol eux-mêmes. S'ils veulent continuer dans la musique ou pas, avec leurs parents qui décident, je laisse tout seul. Je ne suis pas tout seul, comme si je... Voilà, ils peuvent voler maintenant. S'il y a un producteur qui veut le prendre en main, peut-être mon ami Balaka, je ne sais pas qui va prendre en main. C'est un parmi ou deux. C'est ça le but pour faire la relève. Alors donc, c'est le but. Voilà, je te montre ça, le but de ça, c'était quoi? Donc c'est pour la relève. Est-ce que le band Mahamaï, il connaît les artistes? Il connaît avant les artistes qu'ils ont été interprètes? Patrick, je suis content que vous posez cette question. Vous savez, Natija, qui est quelqu'un qui est très connu à La Réunion, bien sûr, à Maurice, les enfants ne connaissent pas Natija. Le jour où j'ai invité Natija de participer dans la chanson, Natija est rentré dans le studio. Les enfants ne savent pas, ils croyaient, c'est un vieux monsieur chinois qui rentre, ils ne savent pas. J'ai dit, vous connaissez pas ce monsieur? Personne ne sait. Après, quand j'ai dit, c'est Natija, là, ils ont dit, ah, c'est Natija, c'est lui, Vanité, ils ne savent pas.
Mais je parle aussi pour les enfants de la Réunion. Hein. Des fois, on croit qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas. Quand je dis Nouvelle Vision, Rassati Baby, non. Il y a peut-être un qui connaissent. Parce que leurs parents sont déjà dans la musique. Mais il y a d'autres qui sont jamais dans la, qui n'est pas dans la, sont pas dans la musique. Ils ne connaissent pas Négro pour la vie. Peut-être Négro pour la vie connaissent parce qu'ils sont un peu jeunes. Ils connaissent Négro pour la vie. Mais il y a Rassati Baby, pourtant, qui est. Ils ne connaissent pas Rassati Baby, ils ne connaissent pas Marcel Poinen, ils ne connaissent pas Denis Azo. Vous voyez, ils peuvent entendre la chanson, mais leur artiste, ils connaissent la chanson. Peut-être la chanson, ils connaissent, mais qui est? Ils ne connaissent pas. Mais c'est important d'éduquer ces jeunes-là. Est-ce qu'un morceau, est-ce qu'un groupe comme Cassia, par contre, les autres, ils connaissent? Je pense, oui. Sans rien, ils connaissent. Et le morceau Libère tes oiseaux, justement. Est-ce que les autres, ils connaissent oui. ce morceau-là? Oui. Pour choisir aussi, je parlais aux enfants. Eux aussi, ils ont leur mot à dire. Parce que je n'ai pas trop mettre dans la difficulté aussi. Si, peut-être qu'ils ne sentent pas une chanson. Je dis alors, Cassia, qu'est-ce que les autres connaissent? Ils connaissent Libère tes oiseaux, ils connaissent les oiseaux. Ils connaissent. Ils connaissent. Je dis Sandra, ils connaissent Kayambou. Je dis non, c'est pas Kayambou qui va chanter, Ça va aller. On prend un peu en, ce qui est plus ancien. Après, Kayambou, c'est nouveau. Et il y a des chansons qu'ils connaissent. Cassia, ils connaissent. Je dis à la Lila, oui, ils connaissent la Lila, mais ils ne connaissent pas Denis Azor. Alors, ben. La Réunion aussi, mais pense que on a aussi un projet qui ressemble à autre projet. Peut-être que c'est juste une collaboration à faire parce que vous êtes délai avec là, Monsieur Balaka. Alors parlez-nous un petit peu du projet localement. Comment va se passer ici? Bon, on va essayer de mettre en place le même projet à La Réunion. Faire un casting dans toutes les villes avec les mairies, les services culturels, même la région. On va essayer de faire un casting pour faire une sélection avec les enfants et refaire un deuxième casting pour, tu vois, à faire mesure, on va sélectionner des enfants jusqu'à on arrive à 6 ou 7 et on va essayer de voir comment avancer dans ce projet-là. Et le but, ça, les pareils, c'est la même chose, c'est que permettre le bon marmaille ensuite vole peut-être des autres propres ailes. Mais est-ce que le but aussi, c'est de continuer dans la musique locale, que ce soit à La Réunion, que ce soit à Maurice? Oui. L'idéal, c'est valoriser notre culture avant d'aller voir ailleurs, que ce soit français ou d'autres musiques. Mais on va essayer de faire La Réunion. Là, on va faire un projet que Musique Réunion. Et plus tard, faire un échange entre Maurice, Seychelles, pourquoi pas Mayotte. Faire un projet Océan Indien aussi plus tard. Est-ce qu'on a fait un choix musical, un choix d'artiste pour, par exemple, le projet local La Réunion? Bon, le concept a été mis en place hier soir. Et ben, on est en discussion. Toute cette semaine, on va travailler là-dessus et après, on va vous faire passer les informations pour annoncer le concours. Voilà. Ben, nous attendons, nous va suivre aussi de notre côté, ben, comment il se passe, comme vous voulez, souvent en contact aussi avec Radio Piquant, mais je pense que nous aurons l'information en temps voulu, en heure voulu. Ouais. Et Gérard, pour la suite, Gérard, en tant qu'artiste, est-ce que vous en avez encore le temps pour... Mais c'est mon métier. J'ai le temps pour faire mon métier, oui. Ben, mais parle de temps pour vous, c'est-à-dire de composer, voilà, de chanter, de faire la musique personnellement. Oui, je continue à écrire pour d'autres artistes. Je continue à écrire pour moi-même, mais pas pour un album. J'ai fait deux compilations, deux compilations. Il y a toujours un titre de Gérard Louis, deux titres. Et je mets d'autres artistes dedans. Mais il y a toujours des projets, des concerts, bien sûr, j'en ai déjà des concerts à La Réunion prévus qu'on va finaliser là. Et bien sûr, avec ses enfants aussi. J'ai toujours mon projet. Et puis, je travaille beaucoup avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. J'écris pour eux, je travaille pour eux. Je travaille pour eux. Pas dans le ministère, mais pour le ministère. Et parce qu'ils font beaucoup, parents, ils font beaucoup de concours. Des nouveaux talents. Alors je suis toujours là comme président jury, comme coordinateur, directeur artistique. Je suis toujours actif. Alors nous va écouter un autre extrait, hein. Oui. Nous avait parlé de Cassia. Simon Amaïté connaît, donc apparemment Zati connaît Cassia.
Et je te connais aussi le morceau Liberté Oiseau. Et nous allons écouter ça tout de suite avec un extrait de Liberté Oiseau. D'accord. Interprété par les Tin et Jazz. On revient après. Dans le monde entier, tout bas nous sommes que la bonne volonté, la mauvaise santé. Qui vous bloque ou non, n'importe qui rassouette, n'importe qui paye, qui l'endroit qu'on traite, la mauvaise santé. À nous, moi, sans la main dans la main, nous faut moi, sans main, grand l'amitié, fraternité. Quand nous sommes nous la terre, nous protège en nature, tout bas le ciel, la forêt, la rivière, protège nous la terre. Tes oiseaux, ça aussi, ça tu connais bien ce morceau-là. Hein. Ben, on est toujours avec Monsieur Balaka et Gérard, lui, ben, vous parle, ben, on va dire, de projet commun. Hein. Projet commun, c'est-à-dire dans l'idée, quoi. Dans l'idée, un, il se passe à Maurice et un à La Réunion. Et au final, on a dit que ben, peut-être qu'ils se rassemblent les deux côtés, et puis pour faire un spectacle. Est-ce que vous avez prévu ça, faire un spectacle avec Maurice, Réunion, tout ça? Oui, pour Tinejaz, le but de ma présence, c'est justement pour présenter ce projet au public réunionnais, justement pour travailler avec d'autres projets ici avec les enfants de La Réunion. Le but, c'est pour présenter les jeunes en concert, peut-être, je dis peut-être, on est en négociation à partir du mois de septembre, les publics vont découvrir les jeunes en live, avec justement dans ce projet, c'est avec Balakapo. Balapaku, avec M. Balaka et Dani Martin, Madame Dani Martin et Dani Ivara Magnon que vous connaissez. Et c'est eux qui vont travailler sur ce projet. Tine Jazz, Maurice, en septembre, pour présenter en septembre. Et puis c'est eux qui vont préparer aussi le prochain projet avec les enfants. On a dit Tine Jazz Maurice, maintenant c'est Tine Jazz Réunion. Mais ça doit rester toujours Tine Jazz, à mon avis. C'est toujours des adultes. Pour faire surtout le but, Patrick, on vient de parler, de faire aux jeunes d'écrire des beaux textes. C'est pour ça que j'ai pris deux reprises avant pour expliquer sur les textes. C'est quoi? Est-ce que les jeunes, justement, ils comprennent comment on les textes de bonnes artistes comme Natija ou Atin, même Cassia? Est-ce que Banda, qui regarde le texte comme ça, et... Je ne l'ai pas surpris parce que tu n'as pas l'habitude, voilà. Justement. Ils sont surpris. Ils disent, ah bon, on va chanter ça. Ah bon, j'ai dit oui. Eux, ils croient qu'ils vont chanter un raga ou un je sais pas quoi. Mm. Je dis non. On peut chanter un raga, bien sûr. Ça, bon, c'est un peu plus un raga. Mais je dis, les textes que je fais découvrir, ce n'est pas le rip ou quelque chose comme ça, c'est les textes. Il faut que les jeunes commencent à écrire, parce que j'ai dit aussi de commencer à écrire. À écrire des beaux textes, comme dans le temps. C'est pas des textes faciles, comme si juste pour faire connaître, pour danser, c'est pas quoi. C'est ça le but aussi avec ces jeunes. Je pense que le groupe qui vont travailler là-dessus, pour mettre l'accent sur les textes. Est-ce qu'on a des jeunes justement dedans, ou voir qu'on a un potentiel, la possibilité dans l'écriture par exemple, parce qu'on a des jeunes qui montent à haut, dit ben voilà, Gérard m'a fini d'écrire ça. Est-ce que les jeunes? Oui. Si, ils ont commencé à écrire. Mm. Parce que. Un des jeunes a commencé à préparer un album déjà, lui. Ouais. Pour après, hein. Mmh. Mais je n'ai pas encore regardé le texte. Mais de toute façon, je vais le conseiller pour l'avenir, avant que je dise, bon voilà, faites votre truc vous-même, et je dois voir au moins qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein, est-ce textes. Que Lina a une idée de la musique qui viendra dessus? Est-ce que ce sera Sega ou bien Lisa? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais de toute façon, il est libre de faire ce qu'il veut. Mmh. Mais moi, c'est important. Bonne musique, beau texte. C'est ça qui est important, la relève, il faut avoir ça.
Vous connaissez vous-même, Patrick, comme artiste, les textes avant et les textes maintenant. Maintenant, je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi, je vois qu'ils orientent plus sur l'amour, 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 l'amour. Les jeunes, c'est l'amour, mien, ma tué, je t'aime, je te compte en toi. Il n'y a pas que ça. Il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de choses à raconter dans ce monde. Hein? C'est ça l'importance d'écrire des beaux textes. Ben, en tout cas, il était un plaisir pour moi de recevoir Zat, hein, pour parler un petit peu de ce projet-là. C'est un projet, bien sûr, ils mettent vraiment la culture, que ce soit La Réunion, que ce soit l'île Maurice, culture, la musique, déjà. Au niveau de la musique, on fait découvrir un petit peu le bon jeune, notre patrimoine musical est très important pour nous-mêmes. La richesse, et pour préserver aussi ça, ce patrimoine-là, comme ça ne pète pas. Oui. Donc voilà, c'est ça. Comme nous m'a dit, les ambassadeurs, ou les ambassadeurs de ça, ou les ambassadeurs de ça. En tant qu'ambassadeur, je pense qu'on a une autre casquette aussi, un président de la MASA. Oh, je croyais casquette jockey, c'est pas quoi. Oui, je suis président de la MASA qui représente la SACEM ici à La Réunion. Mais c'est un poste très difficile. Très difficile aux exigences des artistes. Hein? Moi-même, je suis artiste, mais c'est difficile de... Comment t'appelles ça? De faire comprendre un artiste, c'est pas ce qu'il pense. Parce que quand on était à l'extérieur, on voit ça comme ça. Oui, oui. Quand on est à l'intérieur, on voit que c'est pas ça qu'on voit dehors. Mais c'est difficile d'exigence des artistes, de faire comprendre, de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que avant d'entrer justement dans la MASA, est-ce que tu es comme ces artistes-là ou... De. C'est-à-dire que voir que des choses que ou à part en tant que ou voir autrement en tant que directeur. Oui. Et en tant qu'artiste, où tu vois que voilà, il y avait des choses que les peut-être possibles pour vous et qu'il n'est pas possible vraiment qu'on l'ait dedans. Oui. C'est-à-dire quand il y a des trucs qu'on voit dehors, comme moi-même j'étais en dehors de la MASA, que j'ai pu mettre en position dans la MASA, à la MASA. Par exemple, il y a des trucs il y a des supports qu'on n'acceptait pas à la MASA. Maintenant, avec le changement d'évolution, j'ai fait accepter dans le board de la MASA, dans le board d'administration. J'ai dit, il faut maintenant mettre une loi qu'on accepte ces supports. Par exemple, comme les clés USB. Clés USB. Ah. Et le Teenagers, ça s'est sorti en clé USB. Hein, en clé USB. Et il y a aussi il y a des schemes, c'est-à-dire des schemes, hein, des facilités. Quand quelqu'un est malade, quand un membre est malade, à payer clinique, c'est comme ça, ils n'ont pas travaillé pendant 2 semaines, ils ont une somme qu'on l'aide, une aide financière aux membres. Avant, il n'y avait pas ça. Quand un décès dans l'institution d'un membre, la famille, il y a une aide, on va avoir une aide. Et il y a pas mal de trucs que j'ai mis en place, qu'on a mis en place avec mon équipe. Bon, en tout cas, je pense que le temps est très bien occupé. Et même vous, M. Balaka, parce qu'on a quand même pas mal d'artistes aussi aux produits que vous suivez, que la suivez justement même aujourd'hui ici. Et, du coup, nous souhaitons à Zot de continuer dans cette direction-là. Et oui, puis, j'espère qu'on retrouve à Zot bientôt justement sur ce projet que Zot Nana a en commun. Avec les Teen et Diaz. Teen et Diaz Maurice, Teen et Diaz Réunion, même nom. Est-ce que ça aura le même nom? Il y aura aussi Teen et Diaz de Mayotte, Teen et Diaz de Seychelles. Ouais. On va pas arrêter là. Hein. Donc après, au final, peut-être nous aura Teen et Diaz Océan Indien. Voilà. Et voilà. Le but, c'est ça. Ok, m'y remercie à Zot en tout cas. Merci Patrick. Et on va terminer en musique justement avec Banna. Oui. Avec Samedi Sawali. Sawali, Sandra Mayotte. Sandra Mayotte. Qui chante ça, et apprécie bien, justement. Puis porte à Zot bien. Nous retrouvons-nous bientôt et nous comptons nous filer en musique. Merci. Au revoir. Samedi, comme un bout de la vie, chile, au chile, samedi, comme un bout de la vie.
ti existe. Si ki chire na de me la tête me samedi pour ma pou terminer. Chile, quand tu l'as eu, samedi pour ma pou terminer. L'après-midi fait coster, de l'épreuve fait coucher saigner. La soirée pour commencer à la cour, pour terminer la place à malheureux. Get some.